Des chants, des danses, des prières pour célébrer la naissance du Christ à Bethléem. À l'église Saint-Hubert à Vandeville, c'est une chorale africaine qui anime la cérémonie. Des sonorités insolites pour rendre plus chaleureuse une messe traditionnelle. Le propre d'Arc-en-Ciel aussi, c'est d'amener cette petite touche de nos cultures africaines. Donc des cultures où on exprime beaucoup, où on est beaucoup dans l'expression corporelle. Et mis au monde son fils premier-né. Dans son homélie, le prêtre assomptionniste Vincent Leclerc rappelle l'importance de cette cérémonie de la nativité. C'est une fête universelle et donc le fait que, comme les rois mages qui viennent de très loin, on puisse venir de très loin pour animer ici à Vandeville, dans le sanctuaire de Sainte-Rita, la messe de Noël, moi ça me parle. Ça me parle que le Christ, ce soir, il est attendu dans le monde entier. Dans cette église, la nef est comble. Les fidèles sont venus très nombreux assister à cette messe de Noël, organisée en début de soirée. C'est la première fois qu'on venait ici et c'est vrai que les chants de Noël avec la chorale, ça fait vraiment la différence. Je trouve que ça donne un esprit de Noël vraiment. Souvent dans les îles catholiques, c'est un peu mou et là c'est bien, il y a de l'ambiance, il y a les tam-tams, il y a la guitare, le piano. Il faut quand même venir parce que c'est important de fêter. Les cérémonies se poursuivent encore toute la journée. Dans la région, une centaine de messes est organisée.